What's up tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous présenter le nouveau mode de jeu que vous pouvez trouver donc en PVP maintenant. Donc c'est tout simplement le mode de jeu qui est présent dans Osiris. Il s'appelle Élimination, donc vous voyez à l'écran, j'ai annoncé une partie, donc je vais commenter en direct. Donc quand vous lancez, ah bah manque de bol, peut-être que ça va relancer une manche. Donc comme vous... Ah impeccable, j'ai jamais fait cette map encore. Donc comme vous pouvez voir, en fait ce mode de jeu est nouveau. Quand vous le lancerez, vous obtiendrez donc 5 points de score de grimoire, ce qui est plutôt intéressant pour ceux qui jouent le score de grimoire. Hop, on essaie de pas mourir. Voilà, impeccable. Ah bon, ça y est, on a gagné. Donc voilà, c'est plutôt bien. Vous pouvez voir que je suis pas en escouade, j'ai lancé tout seul, je suis avec deux inconnus. Donc ça, c'est plutôt un point positif, hein, notamment pour ceux qui veulent s'entraîner pour Osiris qui ont un petit peu de mal. Ou tout simplement ceux qui veulent essayer le même mode de jeu qu'Osiris et qui ont tout simplement pas de coéquipier avec qui jouer à ce mode de jeu. Donc voilà, après, donc rien qui change, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc il suffit... Alors là, hop, il y a un gars qui me rush. Il suffit tout simplement de battre les émirs, hein, donc c'est du... Un espèce de match à mort sans réanimation, bien évidemment. Et voilà, hein, rien de bien folichon. Alors, en vérité, je vous promets, les potes, que c'est vraiment pas évident. Alors, on a gagné la manche. C'est vraiment pas évident de se concentrer sur le commentary et le gameplay à la fois. D'habitude, quand je suis en live, je m'en fous un petit peu. Mais là, c'est vrai que pour la vidéo, j'aimerais bien que ce soit assez propre. Donc, vous voyez, un hein, 3 contre 3, comme je vous l'ai dit. Une fois que toute l'équipe ennemie est finie, la manche est gagnée. Et bien évidemment, ils peuvent se réanimer entre eux. Hein, on peut se réanimer. Donc, voilà. Mais bon, comme c'est un mode de jeu assez stratégique, généralement les gens squattent pas mal. Oh là! Une balle directe. La grenade qui fait mal. Enfin voilà, excusez-moi, je suis pas mal concentré. Alors je vous mettrai aussi à la fin de la vidéo un petit gameplay parce qu'en fait j'ai lancé plusieurs parties. Hein, donc il faut savoir aussi, je vous l'ai pas dit, que la map tourne. Donc vous tomberez sur des maps différentes à chacune des parties. Donc tout à l'heure je suis tombé sur la petite map Anomalie de la Lune. C'était vraiment la première partie que je lançais dans ce mode de jeu. Et j'ai fait une petite triple au sniper. Donc je vous la mettrai à la fin de la vidéo en bonus. Bon, c'est rien de bien folichon. Mais ça fait toujours plaisir de passer ce genre de petits clips. Voilà, et sinon, bah, rien de bien méchant. Je vais laisser ce gameplay jusqu'à la fin. J'ai essayé de commenter un petit peu en direct. J'aime pas ces grenades, j'aime pas ces grenades. Donc là, vous voyez, hein, j'ai 3 secondes pour animer mon coéquipier. J'ai essayé de le faire. Ah, ben la grenade, putain. Voilà, c'est plutôt pas mal hein, justement pour tester aussi le mode de jeu dans des nouvelles maps, pour se roder un petit peu la stratégie dans notre map, pour se préparer aussi pour Osiris. C'est plutôt pas mal, moi je suis content qu'ils aient mis ce mode de jeu hors du mode de jeu, enfin hors de l'événement d'Osiris. Parce que c'est vrai que voilà, il fallait à chaque fois attendre le vendredi. Et je trouve que c'est un des meilleurs modes de jeu hein, de ce PVP là, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Le super du titan, le titan il est intuable quand il lance son super. Là il n'importe quel ennemi serait mort, mais bon le titan... Intuable. Ah dommage. Je sais pas où est le collègue, faudrait qu'il vienne nous réanimer. Elle arrive. Allez, faut tuer le dernier les gars. Ah, je vous laisse le petit gameplay en entier les potes, hein. Ça vous fera peut-être plaisir un petit peu de voir la vidéo en entier, hein, pour ceux qui ont envie d'arrêter évidemment, je pense qu'ils ont déjà quitté la vidéo. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ah, et vous voyez bah, évidemment là quand tout le monde meurt, et bah, y a égalité en fait, la manche repart à zéro. Et donc là il y a 4 partout, la partie se gagne en 5 manches gagnantes. Donc là voilà, il reste plus qu'une manche. La prochaine équipe qui gagnera la prochaine manche remportera la partie. Alors justement, on va pouvoir voir aussi à la fin de la partie peut-être qu'il y a des loots spéciaux, je sais pas, je pense pas, hein, ça ne doit pas changer. Bien. Allez, sort. Ah, les bâtards! J'ai l'impression qu'on meurt beaucoup plus vite qu'avant hein, avec le chardon, etc. Moi je joue beaucoup au chardon en ce moment, je me fais. Bah, après je joue avec, hein, je vais pas trop parler de cette arme, mais c'est vrai que j'ai l'impression que je meurs beaucoup plus vite. Ah, bien joué, allez, plus qu'un kill, les gars, le dernier.
assez chaud les deux mecs avec moi, ils sont un peu plus concentrés que moi, on va dire. Hop, impeccable, on a gagné la partie donc on va voir à la fin sûrement un petit peu d'estime de l'épreuve. Peu d'estime, des lumens. Hop, un lot de mauvaise volonté, donc du PVP. Hein. Du loot de PVP. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que pour ceux qui n'ont pas l'occasion de jouer en Osiris, parce que soit ils sont pas là le week-end, soit ils n'ont pas des squads, au moins vous pourrez jouer avec des gens. Voilà, peut-être même rencontrer des gens avec qui vous pourrez faire équipe par la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo comme d'habitude. Je vous kiffe les potes. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss! Votre équipe est en tête. Tous les ennemis ont été éliminés.